L'éducation est l'un des piliers fondamentaux du développement d'un pays. En effet, elle joue un rôle essentiel dans la construction d'une société prospère, équilibrée et démocratique. L'éducation permet non seulement d'acquérir des connaissances et des compétences, mais aussi de développer des valeurs telles que le respect, la tolérance, l'ouverture d'esprit et la citoyenneté. Dans un contexte mondial de plus en plus compétitif, l'éducation apparaît comme un levier indispensable pour assurer la croissance économique, la création d'emplois et la réduction des inégalités. En effet, un système éducatif performant favorise l'innovation, la productivité et la compétitivité des entreprises, ce qui contribue à la dynamisation de l'économie nationale. Par ailleurs, l'éducation est un vecteur de cohésion sociale et de stabilité politique. En offrant à tous les citoyens la possibilité d'accéder à un enseignement de qualité, on favorise l'égalité des chances, la mobilité sociale et la construction d'une société plus juste et équitable. De plus, l'éducation permet de former des citoyens éclairés, capable de prendre des décisions sages, de participer activement à la vie démocratique et de défendre les valeurs humaines. De nos jours, la question de la formation des enseignants est cruciale pour assurer un niveau scolaire optimal chez les élèves. En effet, il est souvent constaté que certains enseignants ne sont pas suffisamment formés pour faire face aux défis de l'enseignement moderne. Cette situation a un impact direct sur le niveau scolaire des élèves, qui est en baisse dans de nombreux pays, surtout chez nous en ce moment. Les enseignants mal formés peuvent avoir du mal à transmettre efficacement les connaissances aux élèves, ce qui peut entraîner des lacunes dans leur apprentissage. De plus, ils peuvent avoir du mal à gérer la diversité des élèves en classe, ce qui peut entraîner des problèmes de discipline et perturber l'apprentissage de tous les élèves. Il est donc essentiel d'investir dans la formation des enseignants pour garantir un niveau scolaire optimal chez les élèves. Cela passe par des programmes de formation initiale et continue de qualité qui permettent aux enseignants d'acquérir les compétences nécessaires pour répondre aux besoins des élèves aujourd'hui. Il est également important de mettre en place des mécanismes d'évaluation de la qualité de la formation des enseignants pour s'assurer qu'elle est adaptée aux besoins des élèves et aux exigences du monde moderne. Cela peut passer par des évaluations régulières des compétences des enseignants, des formations complémentaires pour combler des lacunes identifiées et les incitations à la formation continue. Il est crucial aussi de reconnaître l'importance du rôle des enseignants dans la réussite scolaire des élèves et de leur accorder le soutien et les ressources nécessaires pour remplir leur mission avec succès. Les enseignants sont des acteurs clés de l'éducation et leur formation et leur soutien doivent être une priorité pour notre gouvernement afin de garantir un niveau scolaire optimal chez nos élèves. Depuis quelques années, le niveau scolaire des élèves et étudiants de notre pays est considérablement en baisse par rapport aux générations précédentes. Les raisons de cette baisse sont multiples, mais l'une des principales est le manque de compréhension des concepts enseignés. En effet, de plus en plus d'élèves semblent avoir du mal à assimiler les connaissances transmises en classe, que ce soit en mathématiques, en français, en sciences ou dans toute autre matière. Les élèves peinent à comprendre les notions de base. Cette situation inquiète les enseignants, les parents et les autorités éducatives, car elle compromet l'avenir des élèves et de la société dans son ensemble. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse de niveau. Tout d'abord, le manque d'investissement des élèves eux-mêmes dans leur travail scolaire. C'est un problème majeur. De nos jours, de nombreux élèves sont distraits par les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, ce qui les empêche de se concentrer sur leurs études. De plus, le manque de motivation et d'encouragement de la part des parents et des enseignants peut également jouer un rôle dans la baisse du niveau scolaire. Par ailleurs, le système éducatif lui-même est souvent pointé du doigt. En effet, certains estiment que les programmes scolaires sont trop chargés et ne laissent pas suffisamment de place à la réflexion et à la compréhension des concepts. De plus, la méthode d'enseignement traditionnelle que nous avons toujours connue, basée sur la mémorisation et la répétition, ne convient pas à tous les élèves, ce qui peut expliquer leur difficulté à comprendre les notions enseignées. Pour remédier à cette situation, il est nécessaire de repenser le système éducatif et d'adapter les méthodes d'enseignement aux besoins des élèves. Il est important de favoriser l'apprentissage par la pratique, la réflexion et la compréhension, plutôt que par la simple mémorisation. De plus, il est essentiel d'encourager les élèves à s'investir dans leur travail scolaire et à développer surtout leur curiosité intellectuelle. Il est donc primordial que les parents et les enseignants jouent aussi un rôle actif dans l'accompagnement de ces élèves.
Cependant, malgré l'importance de l'éducation pour le développement dans notre pays, de nombreux défis restent à relever. En effet, l'accès à l'éducation demeure inégal, tant au niveau des sexes que des régions géographiques. De plus, la qualité de l'éducation est parfois remise en question en raison du manque des moyens, de la vétusté, des infrastructures ou encore de la formation insuffisante des enseignants. Pour surmonter ces obstacles, il est nécessaire d'investir massivement dans l'éducation, tant au niveau financier que politique. Important aussi de mettre en place des politiques éducatives ambitieuses, de former et de valoriser les enseignants, d'améliorer les infrastructures scolaires et de garantir l'accès à l'éducation pour tous sans aucune forme de discrimination.